Bravo! Notre héros est arrivé. Applaudissez tous ce rejeton bâtard de Zeus. Juste à temps pour le final. Hera. Tu as une sale mine, très chère. Tu cherches encore à tuer mon époux, j'imagine. Tu sais que je cherche à me venger de Zeus. Difficile de te condamner. Depuis que tu as tué mon fils Arès, la peur qu'il éprouve pour toi le dévore. Ses peurs seront sans importance quand il sera mort. C'est indéniable. Hera, je cherche l'enfant Pandore. Pandore ? Cette misérable petite créature que mon fils Héphaïstos a créée. Eh bien, nous ne pouvons pas te laisser faire, mon cher. Détruis-le. Salut, mon frère. Ne te mêle pas de ça, Hercule. Pourquoi pas? Tu as toujours été le préféré de Zeus. L'atmosphère de l'Olympe te brouille l'esprit, mon frère. Zeus ne privilégie personne. Réfléchis un peu. Alors que je devais nettoyer les écuries d'Augias, c'est toi qui l'as choisi pour supprimer Arès. Tu n'es pas convaincu. Que penses-tu de cela? Tandis qu'on te sacrait dieu de la guerre, on m'envoyait chercher des pommes. Ils appellent ça des travaux. Il m'a peut-être laissé terrasser le lion de Némée, mais il t'a donné la reconnaissance auprès du peuple. Un guerrier féroce, un assassin devenu héros, un homme devenu dieu. Mais cette fois, mon frère, cette fois... je vais t'anéantir. Ce sera le dernier de mes travaux, le 13e. Ce sera bientôt moi, le dieu de la guerre, une fois que je me serai emparé de ton trône. Tu aspires à être un Olympien, mais leur règne est fini, Hercule. Ça, c'est ce que nous voulons. Récompensera.